quel voyage! Oh, mais non, mais quel voyage! Oh, oh mais si j'avais su, moi, j'aurais dit non à ce bourgeois. Pourtant, il est bien brave, mais quel voyage! Jamais plus de voyage en car. Un car rempli de supporters, ouais. Non, mais vous imaginez un peu l'ambiance et moi seul au milieu de ces fous! J'aime bien le foot. Je vais au match. Mais un quart de supporters. Un quart entier de supporters. Et tout cela pour aller voir mon Arthur jouer. On va plutôt s'aplatir dans ce petit maillot rouge. Non mais quel match. Et ça chantait, et ça criait. On est en D2, on est en D2, on est en D2, 3 heures, oui, 3 heures, du Morvan jusqu'à Paris. Heureusement, dans les cars, il y avait un gars un peu plus calme, mais plutôt sympa. Oh, et quand le pneu a crevé, là, j'ai préféré tomber sur lui, son drôle de costume. Oh, dis, si la jolie jeune fille avec un t-shirt rouge et un A dedans n'avait pas été là. Bien le bonjour la compagnie, hein. Mais elle était là, elle était là. Et grâce à ce pneu crevé, on s'est un peu rapproché. Oh, puis dans le car, il y avait un gars un peu floué. Mais j'ai un beau rendez-vous de travail, moi je ne dois pas être en retard. Avec un original qui met des chemises sur mesure. Oh, mais quelle idée à notre époque, quoi. Bah, s'il y a trop de sous, je vais les lui prendre, moi. De son maître. Eh bien non, cette âme se tromperait. Je ne suis pas domestique, je n'ai pas de maître. Je vis de mes rentes. J'ai été au service pendant 10 années. 10 années. Non, mais non, pas comme militaire, comme valet de chambre. Un Anglais puissamment riche qui avait mis mon estomac. Voilà, justement, le voilà, mon bienfaiteur. Oh ben, les médecins de son pays lui conseillèrent de boire du rhum. Alors il en but. Touché par la compassion, je lui proposai la racine de guimauve. Et il me répondit, « Taisez-vous, Tom !» C'était ses mots. Alors il continua à boire, et le pauvre cher homme, au bout de 6 mois, ah bon, il avait songé à laisser un testament me donnant 1000 euros de revenus et 25 millions d'euros de rente. Ah moi bon? Généreux ami. Non, non, je n'ai pas été ingrat, non. Je lui fais faire un câlin. 60 euros quand même. Hein. Et je l'ai poussé à être religieusement soir et matin.
j'étais un bienfaiteur, ce n'est pas vraiment une occupation. Ce n'est pas vraiment une occupation. Oh, une fois que j'ai fini mon ménage, que j'ai fini de cirer mes bottes, que j'enlève ma tenue de valet dans laquelle je suis si à l'aise, hein, pour endosser ma tenue de monsieur qui me gêne aux entournures, je m'ennuie. Je suis désœuvré. Je ne sais plus quoi faire. Ne pouvant plus être domestique, j'ai songé à en prendre un, qu'on doit m'expédier aux premières heures. Non, j'ai demandé la plus grosse bête du Morvan, mon pays, qui en fournit beaucoup. Quand il arrivera, je m'amuserai à le styler, puis une fois que je l'aurai bien dressé, je le flanquerai à la porte pour prendre une autre grosse bête que je m'amuserai à styler, puis une fois que je l'aurai bien dressé, je le flanquerai à la porte pour prendre une autre grosse bête que je m'amuserai à styler, une fois que je l'aurai bien dressé, je le flanquerai à la porte pour prendre une autre grosse bête et... Enfin, si l'amour m'en laisse le loisir, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Je frémis, je crois. Non, je suis sur le point de conclure. Filet. Une chemisière. Profession pudique et morale. C'était lundi dernier. Centre commercial Coitard-les-Belles. Je flânais en rentier, naturellement. Tout à coup, deux yeux bleus m'arrêtent net devant un magasin. J'entre démérairement. Ding, 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 ding. Que demande monsieur? Des jarretières, lui dis-je à tout hasard. Et comment les voulez-vous? Comme les vôtres? Ce madrigal l'a fait un peu sourire. Et puis, elle m'avoua qu'elle était orpheline et je lui commandais, incontinent, 12 douzaines de paires de chemises. Bon, pour nous, moyen droit de la tirer dans mon ventre. C'était hier, Fidéline devait venir me prendre mesure, mais personne. Et je m'étais nanti d'un beau foulard rouge. Aujourd'hui, à midi, si elle ne parle pas, ma malle est prête. Je ne peux tout de même pas rester vivre sans chemise. Mais non, j'irai me faire prendre mesure là, sur la grande route d'un ballon. C'est tout ça. C'est quelqu'un qui dégringole. De l'escalier que l'on a tiré ce matin. Et si c'était elle? Oh non, pourvu que ce ne soit pas elle. Ma chère Fidèle, une première rencontre, ça va être chaud. Aïe, 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 ma bouche. Oh, ma chérie. Bien le bonjour à la compagnie. Monsieur la verdure, s'il vous plaît. Ce n'était pas elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros bateau? Un majordome. Monsieur la verdure, s'il vous plaît. Oui, c'est ici, mais... Voilà. Qui es-tu, mon garçon? Je suis Gaspard. Ah, c'est mon groom. J'arrive du Morvan pour entrer petit laquais chez Monsieur la Verdure. Eh bien, entre donc, mon ami, entre. Un instant, un instant. C'est-il ciré ici? Pourquoi ça? Répondez toujours. C'est-il ciré ici? Oui, c'est ciré ici. Bon, pour l'heure, dites à mon maître qu'il vient de payer les 8 jours... Je m'en vas. Comment tu t'en vas? Oui, du moment que c'est ciré, je m'en retourne au Morvan. Attends donc, imbécile. Voilà, voilà, mes servants. Voulez-vous me lâcher, vous? Voulez-vous me lâcher, domestique? C'est qu'il me prend pour mon domestique. Mais qu'est-ce que c'est, l'invention? Je viens me fiche par terre dans les escaliers. Ah, c'était donc toi? Un peu, oui. J'ai voulu me ragripper à la rampe, tirer aussi. Mais qu'est-ce que c'est, l'invention? Oh. Tu t'y feras. À débouler les escaliers? Non, à marcher sur les parquets cirés. Ah, vous croyez, parisien? Moi, je crois pas. Hein. Si, si. Bon, garçon, dis-moi. Ouais. Pose donc ton sac à dos sur ce petit fauteuil. Hein. Je vais tomber. Va doucement. Ah, mais je vais tomber, là. Bah, pareil. Bah non. Je vais tomber. Mais non!
Ça y est, j'ai gagné. Mais qu'est-ce que ça l'invention? Qu'est-ce que ça l'invention? C'est de la faute de tes gros souliers. Tu t'y feras, je te dis, avec tes... Ah bon? Je mettrai des bottes, moi. Il est vraiment stupide, je crois que je le garde bien longtemps. Bon, allez. Bon, allez. Monsieur la verdure, s'il vous plaît. Oui, oui. Il arrive. Ah. Il s'habille. Mais, dis-moi, Gertha. Dis-moi un instant. Causons un peu tous les deux. Et qu'est-ce qu'il a? Dans les fauteuils du bourgeois. Un domestique. Voulez-vous que vous me donniez de l'acre en feignant? Et toi? Oui, ben moi j'ai tombé. Ça compte pas. Bon, allez, causons. Et l'on ne dirait pas qu'il est mon maître et que je suis son laquais. J'aime ça. Allez, causons. Gaspard? Oh non, ils ont ciré jusque le dossier du fauteuil. Oui, oui. Bon, Gaspard, dis-moi, fais attention. Qu'est-ce que tu faisais au juste au Morvan avant de venir ici, petit laquais? Ah oui, ce que je faisais. C'est ça. Je... Apprends-tu quoi faire? Militaire. J'étais ailleurs. Oh, mais puisqu'on vous dit que j'ai lagué, oui. Chez nous, on appelle les lagueurs. J'ai lag, on a compris. Un type qui est lag. C'est bien dit, lag, quoi, ça va. Oh. Il me déplaît, ce gros lag, il a l'air sournois. Quel précieux butor. S'il est honnête, je le garderai au moins 15 ans. Éprouvons-le un peu. Je vais lui proposer des choses indélicates. C'est très mal, hein. Dis-moi, Gaspard. Voir, tu sais, je suis un vieux renard dans le métier. Je peux te donner d'excellents conseils. Quoi? Tu sais, je suis un domestique. L'essentiel, c'est de savoir se procurer des douceurs et de faire en sorte que le bourgeois n'y voit que du feu. Bon, voilà, je le vois venir. Une supposition. Tu aimes le sucre? Ah! Moi, pas vrai. Moi, j'aime le lard. Tu pourrais aimer le sucre. C'est une supposition. Non, mais puisqu'on vous dit que j'aime le lard. Ah, si le sucre pouvait être du lard. Je vais te montrer, tiens. Voici une bouteille pleine et un sucrier qui contient... 3 morceaux de sucre. Et attention, attention, monsieur les a comptés. Il les a comptés? Oui. Et il ne faut pas y toucher? Au contraire. Tu veux boire un grand verre de vin sucré sans que la bouteille diminue et sans qu'il ne manque un morceau d'un sucrier? Allez, comment t'y prendrais-tu? Je n'y prendrai pas. Hein. C'est pas à moi, c'est ton patron. Hein. C'est une cruche. Ici, grand Migo, puisque je te donne une leçon pour flibuster habilement le bourgeois. Il est tu? Je vois bien. C'est un filou. C'est un filou. Bon, je vais te montrer. Hein. Alors, faut d'abord, dans mon verre, verser avec mystère ce généreux vin-là. Que l'eau remplacera. Et puis, d'une main prompte, sans déranger le ton, les morceaux que tu vois, tu les casses, tous les trois, si la bouteille est pleine et son sucre complet. As-tu compris? Ah bon. Veux-tu que je te le chante? Faut d'abord dans ton verre, faut d'abord dans mon verre, verser avec mystère. Je vais t'en fiche du mystère. Ce généreux vin-là, ce généreux vin-là, que l'on remplacera.
moulin. Et puis d'une main prompte, sans mélanger le compte, des morceaux que tu vois, que je vois, tu les casses, je les casse, tous les trois. Ah, c'est la bouteille est pleine et son sucre compris. As-tu compris? Oui, sa bouteille est pleine et son sucre au complet. Si j'ai compris. Bon allez, votre santé, ancien, et que grand bien vous fasse. Non mais c'est qui moi? Quelle audace. Reprenez votre tasse. À l'instant, je le chasse. Mais en honnête garçon, c'est un affreux fripon. Je vais payer ta leçon. Il cède à ma leçon. Et pour ta récompense, je te fiche une danse. Ça n'apprendra aucun si je suis un gredin. À la bonne heure, je n'ai pas un gredin. Mais ta veste par terre, j'adore de sa colère. Tu vas être frotté. Ah, et son honnêteté. Non, vraiment, son courroux m'éclaire. Je suis enchanté de tant de probité. Oui, voilà de quel moyen je paye avec civilité un effronté. Attrape ça, et puis ça. Attrape ça, ça t'apprendra. Pas si fort, brave garçon. Pas si fort. Sais-tu ce qu'il a fait pour moi, M. Verdurin? Non. Hein? Au moment de venir chez lui, j'ai tombé d'un arbre au pays en élagant. Et je m'ai fait la tête. Eh ben, il m'a envoyé 50 francs pour la faire rouler. Ah oui, ça, je le sais, oui. Ça s'oublie pas, ces choses-là. Hein? Ça s'oublie pas. Ça reste. Et tu veux que je vioute? Tu veux que je vioute? Je m'en revois de ton fils, je dois râler, là. Et on glisse. Ça me gêne. Et franchement, je suis vraiment content d'avoir pris ce domestique-là. Oh, Gaspard. Non, je ne t'en veux pas, si tu savais au contraire. Quoi? Non, rien. Je vais aller chercher Monsieur Laverdure. Ah, mon petit Gaspard. Tu vas le voir, ce bon Monsieur Laverdure. Oui, dites-y qu'il m'apporte mes bottes. J'en aurai grand besoin. Oh, je vais pas verser chaque minute du jour. La nuit, je dis pas. Il peut y avoir du plaisir. En cas. Quand il y a des femmes. Témoin. Pas plus tard qu'à minuit passé entre Auxerre et Montereau. Rue de Tavallon. Nous étions au complet. Tous des hommes, tous des supporters. Moi, une femme. Une créature superbe en face de moi. Elle me demandait toujours. Voulez-vous changer de place avec moi? Mais moi, je répondais. Oui, je veux bien changer. Et elle changeait, et nous changions. Il faisait clair de lune. Et elle faisait des yeux. Je lui faisais des yeux. Nous faisons des yeux, quoi. Il faisait clair de lune. Bon, v'là-t-il pas qu'en entrant sur le pont de Montereau. Cette bruit de chauffeur nous flamme dans le fossé. Bon, c'était pas la faute au chauffeur, il y avait un clou dans le pneu. Et nous voilà tous, en berlificoté, moi au fond, les supporters dessus, dont cette dame. Et en veux-tu? Et des créneaux, et des cris, et des bras, et des jambes. Moi, qu'est-ce que je fais, moi? J'ai lagué, en élagant mon errant contre un t-shirt rouge avec un A dedans. Que chance,
Quelle chance! Je me dis, s'il faut périr, périrons en français. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve l'océan. Bam, bam, bam. Bon, pendant ce temps-là, lui, le chauffeur, il... Ben, le chauffeur, il... Oh, non, c'est pas vrai, là. Oui, le chauffeur, il changeait les pneus. C'était son droit, hein? Le pneu avant les jambes. Puis il dit, oh, hé, un pneu, c'est... Ça pointe, hein? Si. Mais quand ce fut notre tour, oh ben, voilà ce que j'ai retrouvé dans ma main. Une jarretière. Vous me demanderez, mais... La jarretière, pourquoi tu l'as pas rendue à cette dame? Je sais pas où la jarretière. C'était peut-être aux supporters. Vous me demanderez, la dame, a-t-elle fait de l'œil le reste du voyage? On ne sait pas. On ne sait pas. Il faisait plus bien de lui. J'ai passé mon habit, jouissons de la surprise. Le bourgeois, cachons ça, il croira que j'ai une liaison. Alors, Gaspard, vous l'avez donc arrivé? Oui, 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 pas mal, pas mal. Et à votre bourse. Il a mis les habits du patron. Tiens, camarade. Qu'est-ce qu'il prend? Va te jeter cet habit tout de suite. Tiens, camarade. Finis donc. Je suis ton maître. Ceci est mon habit. Je suis monsieur la verdure. Ah oui. Ah bah vous, monsieur la verdure. Créneau. Oui, oh, j'ai juste voulu un petit peu t'éprouver. Ça m'est éprouvé, faut pas être donc m'avertir. Ah, je suis vraiment content d'avoir pris ce domestique-là. Oh non, 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 vous, mon bienfaiteur, et je vous rosse. Oui. Vous qui m'avez fait reposer ma tête. Oh non. Vous l'avez payé, hein, ma tête. Un petit peu. Oh. Elle est à vous, est à vous. Elle est à moi. Ma tête, vous êtes propriétaire. Propriétaire. Mes yeux, mon nez, mes cheveux roux. Mes cheveux roux. Prenez-la tout entière. Elle est à moi, elle est à moi. Elle est à lui. Sa tête, je suis propriétaire. Propriétaire. Son nez, ses yeux, ses cheveux roux. Mes cheveux roux. Je la veux tout entière. Elle est à vous, ma tête, vous êtes propriétaire. Elle est à vous, prenez-la tout entière. Oh, aussi, aussi, si vous tombiez à l'eau, là, oui. Je me jette au feu pour vous sauver. Il est vraiment bête et dévoué, un vrai caniche. Dis-moi, Gaspard, je dois partir pour un petit voyage. Tu vas me suivre. Ah ben, vous irez, j'irai. Oui. Nous allons où, là? À sa rencontre, mon ami. À sa rencontre. De qui ça, à sa rencontre? Ah oui, c'est vrai. Tu ne sais pas. Oh, je maigris d'impatience. Et quand je me ferai prendre mesure sur la grande route d'Avalon... Oui, d'Avalon. Avalon. D'Avalon? Oui, c'est la route de ma jarretière. Bon, allez,
Gaspard, va donc enfiler ta tenue de groom et nous filons. Bon, va donc guenille cette tenue. Mais dans ce cabinet, là-bas, au fond. Allez, dépêche-toi. Ah, je la vois. Très bien. Et, oui. Et mes bottes? Des bottes? Oui, des bottes. Là, quand on les cirer, là, sur les boulons. Ah non, ciré, j'en veux pas, je tomberai avec. Va donc, animal. Oh, ils tirent jusque les bottes. Mais qu'est-ce que ça, l'invention? Qu'est-ce que ça, l'invention? Oh là 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 là. Je suis vraiment, mais vraiment content d'avoir pris ce domestique-là. Un groom, ça flattera forcément Fidéline. Hé oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est la culotte jaune! Ne bougez pas, ça rentre! Ah, dépêche-toi! Ah. Oh, crétier! Quoi encore? Les culottes jaunes, ça s'est perdu! Je ne sais pas, moi, prends-en une autre! Oh, mais qu'est-ce que l'invention? Qu'est-ce que l'invention? Mais dis-moi ça, si je ne vais pas l'aider à s'habiller, je pense qu'il me fera manquer ma voiture! Je vais trouver que ça de galant, mon avis me gêne.
Mademoiselle. Oui. Faut-il que j'ôte ma... Mais non, c'est inutile. Ah bon? Tant pis. Mon habit me gêne. Ça joue. Il y a nos problèmes. Voilà qui est fait. Comment? Déjà? Oh! Pour une! Comment ça, pour une? Et pour les autres? Il faut peut-être que je prenne à mesure de Suzanne de perdre foi. Mesdames, je croyais. Oh, farceur, bah. Vous allez où? Bah, je m'en vais. Comment ça, vous vous en allez? Du pied gauche? Ben, c'est que j'ai un vœu à vous dire. Okay. Que vous consentiez à me confectionner tout ça chez moi à domicile. Mais ça va me prendre au moins 18 mois. C'est pas grave. Quand vous aurez fini, je vous en donnerai d'autres et nous signerons un bail. 3, 6, 9 au choix du preneur. Quel drôle de vieux. 3 fois par semaine, je vous amènerai au bouffe. Dans musique, mon chant italien. Je préfère l'opéra comique, si cela ne vous fait rien. Non, non, ça m'est parfaitement égal. Le dimanche, on dîne en ville, chez un traiteur de hostile. Je préférerais, par exemple, oui, aller au faubourg du temps, si cela vous est égal. Ah. Parfaitement égal. Eh bien, alors j'accepte. Oh. Il y a une condition. Oh, de vous respecter, je le jure. Pardon? Bah, bien sûr que si, d'abord et avant tout. Ah. Mais nous ne boirons pas de champagne. Oh, pourquoi? Oh, parce que ça me m'étourdit, ça me monte à la tête. Oh, excepté lorsqu'il est frappé. Eh bien, nous le frapperons. Je le mettrai sur le poêle. C'est peut-être un peu cher. Vous savez, quand on a 25 millions d'euros de rente... Hein? Qui c'est qui a 25 millions d'euros de rente ici? Bibi! Sacrebleu! Elle jure. Oh, j'ai bien fait de lui. Elle est à moi. Céline, voici votre petit salon. Vous y trouverez 12 douzaines de paires de paires de pièces de toile. Là, taillées, rognées. Je vais m'occuper de notre premier déjeuner en tête à tête. Oh. Tête-à-tête avec vous, monsieur. Ah oui, sans doute, et notre bail 369 au choix du preneur. Mais pour qui me prenez-vous, mais... Oh. Hein? Quelle opinion avez-vous de moi? C'est que... Tout à l'heure, vous avez lâché un sacre bleu. Parfaitement. Oh, mais que voulez-vous? Oh, je suis fille d'ancien militaire qui... Oh, qui est lasse! Et mort au champ de l'air? Porteur dans une grande maison. Oh, je le préfère pour lui. Et il m'a inculqué des principes sévères, monsieur. Oh, je vénère sa mémoire. Et surtout... Je me méfie de la séduction des jeunes gens. Oh, il m'empêche, jeune gens. Philéline, mais ces principes sont les miens. Je les pousserai même au degré le plus ridicule. Je serai jaloux. Oh, comme mon footballeur. Jaloux d'un coup de vent. Une femme dont un autre aurait simplement entrevu le bas de la cheville. Et je dis bien le bas de la cheville.
C'en est totalement dépoétisé pour moi. Ah, mais c'est comme moi. Oh, j'ai quitté le magasin où je travaillais car mon patron venait se faire la barbe devant ces demoiselles. Le gamin, pauvre innocente brebis, ange de candeur. Ah, oh, vous me transportez, je serai capable de... De quoi? De rien, je vais m'occuper de notre déjeuner. Vous restez déjeuner avec moi, n'est-ce pas? Non, je m'occupe. Simple déjeuner, hein, à la cuillère. Je préférerais à la fourchette. Allez, je cours chez Fauchon. Mais avant de partir, mon ange, laisse-moi prendre un doux baiser bien tendre, Lola, un doux baiser bien tendre. Je ne puis consentir, ah bon? Je ne puis consentir. Juste un, pas un petit nenni. Juste un, pas un petit sur cette main jolie. Oh! Oh! Ah! Oh! 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 J'ai rien vu. Allez, bourgeois, marchez. Contre-arrêté. Hein? Je... Non, mais je vais aller manger ça. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, franchement, Gaspard, je n'aime pas qu'on me dérange quand je suis avec... Eh bien, avec mon épouse. Il y a une bourgeoise. Ah, madame, c'est avec honneur que je... Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Je marche sur le pied. C'est vos bottes. Ma pire, c'est la bourgeoise que j'ai embrassée. Mademoiselle, et où allez-vous? Je vais chercher un porte-monde. Non. Je vous en prendrai un chez Fauchon. En revenant de chez Fauchon, chez Fémina, à Saint-Martin. Et à mon retour, je vous dirai quelque chose. Madame la verdure. Femme la verdure. Femme la verdure. Petite la verdure. Aux rencontres imprévues, j'ai pas la berbu. Aux rencontres imprévues, mon Dieu, je suis cantine. Aux rencontres imprévues, non, j'ai pas la berlue. Aux rencontres imprévues, oh, que c'est bien lui. Ah, aux rencontres imprévues, non, j'ai pas la berlue. Aux rencontres imprévues, oh, mon Dieu, c'est bien lui. Mais j'ai pas la berlue. Ah. Il nous laisse là, mais allez. Animal de groom. Madame a sonné? Non, je ne crois pas. Moi non plus. Madame ne se ressent plus de sa chute? Quelle chute? Quelle chute? Bah, cette nuit, entre Auxerre et Montereau, le fossé, le Garvin fossé, 4 ou 5 supporters. Ça pèse, hein? Pleut-il? Pleut-il en mettre une nouvelle? Mais qu'avez-vous, mon ami, là? Ce que j'ai! Dieu de Dieu, un si brave homme! Bon, après, c'est la faute à personne, un clou dans le pneu. Je comprends pas. Mesdames. Rien qu'une, ça va vous gêner? Ah bah tiens, Et la blague l'autre! L'autre quoi? Votre jarretière, tombée dans le cas. Tant mieux. Apprenez, Maroufle, que je ne voyage jamais en carré. Oh, et que je ne porte pas de jarretière. Ah, vous ne portez pas de... Au fait, c'était peut-être pas elle. Je me disais aussi, hein. L'autre avait un t-shirt rouge et un A dedans. Et celle-là... Tant pis, elle se ressemble. Eh bien, tant mieux, mon Dieu, tant mieux, parce que... ce pauvre bourgeois...
au lieu que maintenant, me v'là tranquille, me v'là heureux. C'était peut-être tête. Tiens, bah encore une. Oh, un gueusard de sort. L'appareil. Oh, j'ai trouvé une jarretière chez le bourgeois chez lui, une deuxième pareille chez le bourgeois chez lui. Comprenez mon alarme en trouvant tout ceci. Il n'y a que la bourgeoise qui est plus la perte d'ici. Je me suis dit, elle emporte, quand elle m'a dit non. Cet objet romantique est vraiment trop mignon. Enfin bref, ces jarretières ont besoin d'un jambon. Ces merveilleux pareils resteront pas sans moignon. Jarretière, jarretière, en tartare ou en recours. Où est le propriétaire de la horde de supporters? Chauffeur de car, ce serait trop con. Jarretière, jarretière, en taffetas ou en coton. Mais c'est un vrai mystère, mon clair de lune aux yeux pleurs. Ah, mon bourgeois, ce serait bidon. Alors, c'est peut-être la sienne. Oh, lui qui m'a fait recoller ma tête, me trouver en face d'elle, de lui. Non, je ne pourrais pas exister comme ça. Non, non, je vais lui demander mon compte tout net. Je viens d'aller commander un petit déjeuner. Tu iras le chercher d'ici 5 bonnes minutes. Oh, ça fend le cœur. Oh non. Bourgeois, bourgeois! Faut que je vous parle, sans témoin. Ah voyons, fais choix. Comment y dire ça poliment? Bourgeois, oui. Je m'embête chez vous, je m'en vas. C'est poli ça. Comment? Tu n'y es que depuis 2 heures. C'est égal, payez-moi le demi-jour. Non, pourquoi ça? Oh, si vous saviez. Quoi? Rien. C'est un secret. Oh. Il m'en ronge là. Allez. Oh non, suffit. Là. Suffit, non. Ah, papa, la vergouille. Ah non, le mais comme je suis un garçon honnête et que je ne veux rien devoir à personne. Hein? Ah bah, vous parlez d'un secret. Ma jarretière. À vous? Oui, à moi. Ah. Vous êtes sûr? Oui, c'est ça. Un nouveau fermoir breveté qui ne tient pas. J'ai l'appareil. Non! Est-il possible? Alors, ne me payez pas mes bijoux. Qu'est-ce qu'il a? Il est OK, merci. Remets-la-moi. Ah, bah, avec ivresse. Allez. Tadam, tadam. Vous avez raison. Alors, c'est bien l'appareil. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle y est aussi. Ah oui, elle y est. Cela veut dire que celle-là n'est pas à moi. Ah, vous en convenez, hein? Oui. Alors, repayez-moi les 8 jours. Non, mais il est complètement fou, ce gamin. Dis-moi, Gaspard, juste, où l'as-tu pris? Ah hein? Je viens de la trouver par terre, ici, chez vous. Tu l'as trouvée ici, chez moi. Mmh.
c'est ta peine, Gaspard. Ah, non, Gaspard. Non, 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 tu deviens. Non, non, non. Il l'embrasse. Il l'embrasse. Ah, oh, ça fend le cœur. Ça fend le cœur. Le lourd doit parler. Pas possible. Gaspard, laisse-nous. Nous avons causé. Tiens, tu vas chez Fauchon. Deux pintades. Fauchon? Au chou, les bandades. Une truffe. Oh. Au truc. Une truffe. Au truc. Au truc. Va, garçon, faire avec prestesse en hurant ta commission. De Fauchon demande l'adresse. Tout le monde sait où loge Fauchon. Où loge Fauchon. Deux garçons, la langue traîtresse, nous l'avons ma position. Quérillon, adieu ma richesse, où il se marie, il m'allait. Hein? Ben oui, se marie m'allait. Se marie m'allait? Je vais ta tromper avec prestesse en lurant ma commission. Bon patron, je demanderai l'adresse, je cours d'un trait chez Fauchon. D'abord, c'est pas ça, c'est un tas de mensonges. De quoi? De ce que votre groom vous a dit, là. Oh, vous savez, il vient de me dire qu'il a trouvé une jarretière. Ici. Et la voici, justement. C'est un bijou. Moi, je ne connais pas. Hein? Non. Ben, je la croyais à vous et tout ce qui vient de vous. Qu'est-ce que c'est? Il y a un garde supporter dans le quartier, donc c'est vraiment supportable, hein? Il ne doit pas être loin de midi, n'est-ce pas? Une heure sale, pourquoi? Oh, il doit en décrassage. Ma chère Fidéline, comme le temps passe vite auprès de vous, j'ai l'impression que vous venez d'arriver. Toujours pas en mode mariage? Je crains d'avoir affaire à un vieux, et vous voulez tirer ça au clair. Oh, monsieur, il a l'air bien. Vos soupirs, mon ange. Oh, oui. Je dirais même plus. Il me touche. Mais je dois être franche comme l'or. Et vous prévenez. Oh, je frémis, je... Vite. J'ai des engagements avec un jeune sportif. Pardon. J'ai un rival. J'ai un rival. Et où en est-il au juste? Mesdames. Oui. Il a fait sa demande, lui. Et ce n'est que cela. Permettez. Mademoiselle. Ah, oui.
Oui, je suis, non. Ah, des... Non. Des lobes. Je sais pas ce que tu fais. D'accord. Bécile. Cette tapis-là qui me gêne aux entournures, je vous ai fait tuer. Faut y aller. Voilà, voilà, voilà. C'est fait. Moi, Jean-Oscar Laverdure, j'ai l'honneur de demander votre main en bon et légitime mariage. Oh, monsieur ! Aidez-vous, je n'ai pas fini. Je jure de me conduire toujours en époux fidèle et en bon père de famille si le ciel m'en accorde comme j'ai le plaisir de l'espérer. Oh, monsieur ! Je n'ai toujours pas fini. Bon, oh, ça suffit, là. Le ciel, mon frère. Tout le reste est superflu. Arthur. Ma peine. Arthur. Oh, je n'ai jamais aimé que vous. Oh, j'accepte. Oh, écoutez. On sonne le carillon du bon bonheur. Ah. Je vais aller lui donner 10 centimes. Oh, rien à craindre, un drôle de carillon. Mademoiselle. Mademoiselle. À quand la noce? À quand? Loin de Paris, footballeur. Oh, je sais juste ça. Oh. Oh, sous le clocher qui m'a fait naître. Comment? Elle est pétrie de principe. Mademoiselle, accordez-moi un second baiser. Un instant. Sur la main, comme tout à l'heure. Puisque nous sommes fiancés. Oui, mais nous ne sommes pas mariés. Pas mariés. Pas mariés. Pas mariés. Alors, on lui demande d'aller acheter deux pantades. Il me ramène deux d'un coup. Bécile. Bah oui, quand j'en ai acheté deux, ils étaient ensemble. Mais c'est fini, oui. Chez Fémina, à Saint-Martin. Ah, c'est pour moi. Pas marié. Pas marié. Ah, bourgeois, vous n'êtes pas marié. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, ça, toi, Gaspard? J'ai son consentement, je plais. Ma tête est à vous, mais vous ne l'épouserez pas. Et pourquoi ça? Du moment que... Vous n'êtes pas marié, il faut que je vous conte une histoire. Oh, ah si, 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 une histoire de jardinière. Nous entrions sur le pont de Montereau. Oh tiens. Ah oui, mais si, nous étions au complet, tous des supporters, pancartes. Tu m'ennuies? Ah si, il faisait clair de lune. Retire-toi ou je te chasse, c'est égal. Il faisait clair de lune et... un clou dans le pneu. Quand tout à coup... Je serai capable de me faire sauter la cervelle. Oh mon Dieu, les yeux lui sortent de la tête. Je deviendrai fou, moi, tu viens. Fou? Oh, retire-toi. Ou je te mords. Ah, ah, au secours. Quelqu'un appelle le 17. Police de contour. Ah, ah, qui me corde aux oreilles des histoires de cas, de jarretières, de coups.
Ah, je ne l'épouserai pas. Non. Eh bien, tu vas voir, je ne l'épouserai pas. Non. J'écris à l'instant même à mon notaire. Non. Du papier. Non. Du papier. Du papier. Du papier, du papier, du papier. Pas moyen. Il est têtu comme une bourrique, là. Pourquoi vous mêlez-vous? Mais vous, mademoiselle, vous ne pouvez pas lui parler de le faire parce que... Que voulez-vous que je vous dise? Ce n'est pas de ma faute. C'est ma famille qui m'y force. Votre famille? Où est-ce qu'elle est, votre famille? Je vais causer avec elle, moi. Sous cette fenêtre, un jeune joueur de l'équipe de France. Oh, mais c'est un bleu! Il est doux comme un agneau. Vous n'aurez qu'à lui dire. Je m'oppose au mariage de Fidéline. Ah, et le mariage sera rompu? Tout à fait. Bon, ben, j'y cours, hein. Du papier! Du papier, du papier! Oh, est-il embêtant celui-là avec son papier, là? Gaspard! Du papier! Pendant ce temps-là, vous romprez avec le bourgeois. Pauvre homme. Mettez-y le ménagement. Oui, ça y est, tranquille. Vous êtes une bonne fille, vous. Et pour votre peine... Voilà. Hop, 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 hop. Oh, misérable gredin. Tiens. Et vous, mademoiselle, que signifie? Mais je ne comprends rien. Vous ne comprenez rien? Je vais vous éclaircir. Moi, je suis comme vous, hein. Je suis indignée. Pour révolter. Qu'est-ce que c'est ce vacarme? Mais faites... Ah! Mais c'est Gaspard qui se bat avec les passants maintenant. Je ne comprends rien. Je m'en fous. En fait, Gaspard, il suffit. Tourne. Il est fou. Il est fou, allez, là. Je me rappelle le câble, les jarretières, le clou dans le pneu. Sa fêlure. Et ce baiser. Oui, il était tout à fait paternel. Paternel? Mais oui. Paternel? Oh, ma chère. Et moi qui vous soupçonnais. Appelez-moi monstre. Je ne pourrais pas. Je ne sais pas où dire. Oh mon ange de grandeur, oh toi par qui je respire, allons partons pour Avalon, allons partons pour Avalon, allons partons pour Avalon. Oh, vite, non, je suis pressé, allez donc chercher vos affaires, et dans un quart d'heure, Non. Non. Je vais pas aller là-bas. Avec ces deux fous-là qui s'entretuent, non, mais non. C'est juste. Mais il pourrait encore avoir envie de l'embrasser. Mademoiselle, j'ai une voiture pour la prendre. Vous pouvez la prendre. Je me suis sauvée. Mademoiselle. Un baiser. Il est agaçant. Insupportable. Je crois que je vais l'abandonner sur une aire de repos. Ah, cette femme me grise comme une bouteille de champagne. Ah, après la noce, je la mènerai en Italie, à Napoli. Que les Napolis n'ont pas belle Naples, je ne sais toujours pas pourquoi. Cette femme, ma malle est prête. Il ne faut pas que j'oublie mon fou la rouge, donc je comptais lui faire hommage. Et mes pistolets de voyage. Ah! En voilà un fouton de deux! Parce que moi, là, je lui dis comme convenu, monsieur,
Je m'oppose au mariage de Fidéline. Il me poche, quoi. Je le poche, nous nous repochons. Si ça vous fait plaisir, ça me fera aussi, moi, bon bourgeois. Est-il fait, faut que je désarme, c'est pas possible, hein. Tant pis, son pistolet m'inquiète. Gaspard, tu diras donc à mon banquier qu'il dise à mon cousin qu'il dise à ma tante... Ah ! Oh non, tout est à recommencer. Ah ! Oh, mais tout est encore à recommencer. Ah ! Mais je ne vous fais aucun mal, moi, bon bourgeois. Moi non plus, mon bon Gaspard. Bon, bah, alors posez ça. Bon, bah, allons-y ensemble. Bon, allons-y. Ah ah, là. Ne dis ensemble et dis... Beaucoup mieux, hein? Beaucoup mieux. Une carafe. Je pouvais toujours lui administrer une douche, ça c'est toujours sa cerise. Ah ouais. On dit que l'eau, là, ça leur fait du bien. Non, mais... Mon bon Gaspard. Ah, mon bon bourgeois. Aïe, prénom. Aïe, c'est pour votre bien. Ah, je suis fâché d'avoir pris ce domestique-là, mon vieux. Ça va mieux, n'est-ce pas? Non, mais ça me coule dans le dos. Tant mieux. Faut ça. Ah, tiens. Mais Gaspard, c'est une chose. Hein? Bon.
Ah, mais c'est une lettre affranchie. Alors, mademoiselle Fidéline... Oh, 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 oh. Mademoiselle Fidéline, affranchie. Mademoiselle Fidéline, ça me prend la tête, ça me saoule grave, j'ai attendu trop long, t'as pas de respect, t'es qu'une meuf de rien, c'est moi qui la maille, toi t'as rien, tu me rapportes la clé de ma caisse et c'est tout, t'auras la politesse et je serai pas long ton footballeur. Ouais. C'est bien écrit, hein? N'est-ce pas? C'est ignoble! Et de plus, succéder à un footballeur. Ah, ça va le reprendre, je sens que ça va le reprendre. Donc, ils échangeaient des bagues. Les violons étaient commandés, les faire part et se médier, et j'allais lui donner mon nom, j'allais lui donner ma fortune, et toi, tu me laissais faire. Moi? Tu ne m'avertissais pas. Ah, ça le reprend, ça le reprend. La carafe! Où c'est qu'elle est, la carafe? Si, si, la carafe. C'est moi, Fidèle. Wouhou! Fidèle, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Un moyen à droit, je crois. Il n'y a plus personne! On est tous rue Jean Jaurès à la foire Saint-Mich! Mais enfin, mais qu'est-ce que vous me chantez? C'est Mercato! Le footballeur est transféré! Et moi? Et le bourgeois aussi! Oh! Oh, c'est comme ça! De quoi? De courge? Mais de... Mais de courge? De courge? Mais c'est convenable ce que tu vas lui dire, je l'ai quand même aimé. Oui. Vous inquiétez pas, ça va être convenable. Mademoiselle! Ah. Zut! Route! C'est convenable. Et merde! Ah, ça c'est fait. Ah, voilà, voilà, voilà. Les femmes, hein, franchement, les femmes... Mais, plus personne. Hein? Bah. Ah si, j'ai un ami. Bah. Je suis un peu fêlé, mais en même temps. Bah. Bon, Gaspard, et si on allait dépenser, tous les deux, mes 25 millions d'euros de rente en Italie? C'était un joli pays, l'Italie. C'était un joli pays, l'Italie. L'Italie. Venise, Venezia la Bella. Venezia la Bella, si. Les gondoles. Ah, les gondoles. Les girondoles. Les girondoles. Les barcaroles. Les barcaroles. Les escaroles. Les escaroles. Et les casseroles. Et bon, bah, pas pour les casseroles, hein. Dis-moi, je t'appellerai Gaspardo. Oh, si, un Gaspardo. Et ben, et vous, votre petit nom, là, c'est comment? C'est Jean. 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 Jean, Jean, Jean. Ouais, ben, je vous appellerai... Jeanno. 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 Oui, je t'adopte. Oh, oh, tu seras mon neveu. Fichons le camp, Jeanno. Et ta chandelle, et gagner le fardeau sur la plage de nous oublierons la gratte Fidéline, nous oublierons la gratte Fidéline, fichant le camp Jeanneau, et ta chandelle, et gagner le fardeau sur la plage de Tu veux, tu nous oublieras.